Bonjour à tous, c'est Mitra Pneuma de Alert Ego et je vous retrouve aujourd'hui pour une solution sur le nouveau Zelda. Donc Ico's, Ico's. Et si vous avez vu la vidéo précédente, donc là on est chez les Gerudo et on va devoir accomplir trois actions pour les failles. Et ensuite, après ça, je pense qu'on aura, qu'on aura accès au donjon, mais c'est quand même relativement long. Donc il y a trois actions à mener pour pouvoir boucler la faille géante et ensuite accéder au donjon. Donc allez, c'est parti. Donc là, il y a notre compagnon. Il nous explique qu'il y a une entrée. C'est enfoui. Là, on est près de la faille géante. Les Gerudo. Donc comme toujours, hein, les Gerudo, c'est vraiment le plus long. Il y a toujours pas mal de choses à faire. Enfin, on va aller voir le capitaine. Il se sent pas bien, on va l'aider. Toujours. Hein. On les aide. Elle va nous donner des quêtes, etc., etc. Ce qui va nous permettre ensuite de progresser dans l'aventure. Elle va nous mettre trois points sur la map et on va devoir évidemment se rendre à ces trois points pour pouvoir boucler l'objectif. C'est à la fin. Et c'est bien pour faire les smoothies. Hein. Donc, au moment comme on a que 5 heures, si c'est relatif. On va utiliser un smoothie qui rentre 5 heures. Hein. Juste pour ça. Là, le premier point. Évidemment, on active l'épée. Alors, elle va nous parler d'un fantôme. C'est tout simplement l'écho tornade qu'on a. On a déjà dupliqué. Hein. Si vous le cherchez, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'avant. Je pense que si vous avez traversé les airs, c'est bon. Le dessus, il est où? Il est là. Vous montrer, on va vous donner 10 bouteilles de lait. Et une tienne.
avait joué à chat. C'est un peu comme Cocorico avec la gamine. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur son chemin des cailloux pour l'empêcher de passer, pour l'attraper. Il courait pas vita aeternam après elle. Hein. On va lui bloquer les issues. Simplement, c'est sans fin. Et c'est pas qu'on n'aime pas jouer virtuellement à chat, mais on a des affaires. Partout, vous pouvez placer des obstacles pour la coincer. Voilà, elle peut pas engendrer un chat, c'est terrible. Et voilà, on l'a attrapé. Cette espèce de groupe désert, c'est des trucs qu'on voit dans les films externes. Tout simplement d'utiliser le pouvoir dès qu'on en voit une. C'est ça là, pas le piranha. Hein. Et vous allez amener un PNJ. Ah, c'est pas Polaris, hein, aussi. C'est aussi simple de. Il y a eu un accident qui arrive, hein, bon, on recommence. Comme ça. Pas aussi maniable que dans Breath of the Wild. De King. Voilà. Ça, c'est très bien. Elle nous donne des fragments de puissance. Hein, ouais. Vous souvenez qu'on avait un choix à faire, c'était entre la jauge et augmenter le niveau de l'épée. Peut-être rester à 10 pour attendre 10 pour augmenter les peuples. C'est intéressant au début de partie. Donc c'est ce qu'on va faire. On retourne. Pour aller augmenter notre PD. C'était pour finir exactement ça se trouve. Donc voilà. Ben jusqu'à combien de niveaux on peut augmenter. Viens nous le dire. Ok, John. C'est très bien, allez. Gerudo. Pour continuer la quête. J'ai choisi la jauge ou si on n'avait pas assez de fragments de sens. Thank you.
Donc là, on rentre dans le palais Gerudo. Hein, je sais pas comment ça se dit, et contre l'idée. Bon, c'est toujours pareil. Hein. Il y a un Ilien ou une Ilienne qui arrive chez Gerudo. Ils font pas confiance, etc. Et du dialogue, ça c'est. Chaque qualité des arts pour. Ah, mais tout à l'heure, hein. Je t'ai vu devant nous. Moralité particulière. Allez, on se TP. Donc les trois, une du sud-oise, grotte du repos des ancêtres, les airs au sud-est. Alors il y a une grotte, si vous avez regardé la vidéo précédente, on était passé devant. On avait dit qu'on avait déjà tenté, qu'il y avait une tombe qu'on qu'on n'arrivait rien à faire et qu'on pensait qu'il fallait progresser dans le jeu. On ne s'était pas trompé, parce qu'il s'agit justement d'une idée d'un des trois lieux là, dont elle vient de nous parler à l'instant, c'est-à-dire là où il y a une tombe et où il faudra se recueillir. C'était pas la peine d'insister. Donc, parfois dans le jeu, hein, au-delà de cette solution, si vous voyez vraiment, si vous comprenez pas et que vous estimez que vous avez tout tenté et qu'il n'y a rien à faire, c'est très certainement parce qu'il faut encore progresser dans le jeu. Pas la peine non plus de perdre des heures. Voilà, donc cette entrée-là. À la fin, il y a un tombeau. Il faudra se recueillir. Hein. Et forcément, si on n'a pas la quête, ça sert à rien. J'ai trop pas de rouge. On va découvrir une entrée. Avec des taupes. Voilà. Donc évidemment d'écho. Je me demande très sincèrement à la fin du jeu avec combien d'écho on va se retrouver. Ça risque d'être intéressant. Bon. Attrape. Elle va creuser des matos, pas forcément creuser des trous, ce qui nous amène au niveau inférieur. On obtient 9. Je sais pas si on pourra l'utiliser.
à voir. Oui, déjà là, il y a quand même, alors qu'on est quand même du jeu, mais on n'est pas du tout à la fin. Il y a énormément d'échos, c'est. Ah, je sais pas, hein, je suis pas développeur du jeu, peut-être c'est pas moyen de faire ça plus simple. C'est pas très bien à penser. Donc là, on arrive à la fameuse tombe. On avait fait avant, on avait allumé les brasés, tout un tas de choses, rien ne fonctionnait. Au bout d'un moment, comme je vous ai dit, si vous voyez que rien ne fonctionne, bon, ça semble assez évident, il y a deux bras zéro, on les allume, rien ne se passe. Voilà. Et en l'occurrence, c'est bouclé, et tout simplement pour réactiver la bonne quête. Donc voilà, si c'est bouclé. Un désert et de l'eau. Là en fait de la faille les monstres pop. Bien évidemment, on se doute à rentrer. Donc, on aura raté les trois points d'intérêt de la quête. Allez, direction dernier. Ça vous rappelle une quête d'un certain cul de Zelda. C'est normal, elles sont assoiffées, elles demandent d'aller préparer une boisson. Il ne sera pas avec un Max. On va aller préparer ça. Donc je vous ai dit, hein, c'est pas
Revenons à ce stade plus 2. Va aller la porter au soldat. Fait bon, pas grave parce qu'en même temps il faut y a une quête où il faut faire 10 smoothies, donc bon, pas bien grave hein. N'oubliez pas, hein, mettez bien deux cactus. Si vous en avez quelqu'un, allez laisser mourir de soif. Et contre tout ça. Et quelque chose. Pense. De marché. Yep.
examiner hein, la faille. Donc, notre compagnon ressent la présence de ses propres compagnons à 5 endroits. 3 en haut, à droite. Là, 5. Voilà. Pour aller libérer le compagnon. Pour progresser. Là. Pas pour toi, normalement, nous écoulons. Hein? Ces dalles-là, c'est votre. Un écho de ses contacts. La peine à vous tuer, y a rien. Qui en haut est un imposteur. Voilà, on va se trouver. Les points bleus là sont. Point d'énergie pays. Bon. Les rangements Ikea parfois, hein, ça y est. Thank you.
62. Je sais plus où on est. Récupérer ici donc 5e. C'est bon. Hein. Et on récupère 2 fragments de puits. Ceux qui étaient en sont revenus. La vraie c'est ça. Non. Maintenant, elle nous demande de l'aide. C'est le personnage des dalles. Des dalles volantes. Oh.
persuadée que c'était ces dalles-là. Non. Ah. C'est pas les dalles volantes, c'est donc pas ça. On va voir. Forcément. Et du coup, voilà ce qui est le chapitre de la faille, géante. Et de toute façon, on vous dit à très très bientôt pour la prochaine Solus. Hein, ce sera, je pense, jusqu'au donjon. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.